N'hésitez vraiment pas à rejoindre notre serveur Discord si jamais vous voulez me parler, me poser des questions, avoir des suggestions par rapport aux tests, discuter avec des membres de ma communauté ou de la communauté de GTA Online, jouer à Clash Royale et parler de tout et de rien en ayant quelques grades exclusifs comme le grade Louveteau ou même le grade VIP. Je vous attends très nombreux sur ce serveur, le lien sera dans la description. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC avec Michael pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo de test. Alors le test me vient d'un abonné et le test est le suivant, c'est de prendre un taxi, lui demander d'aller quelque part mais de le mettre dans les égouts pour voir s'il en est capable d'en sortir. Donc du coup l'idée est vraiment très intéressante et comme on n'a jamais réalisé de test dans les égouts de GTA 5, ça va être entre guillemets pour une première. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle et me donner d'autres idées de tests à faire dans l'espace commentaire. Et bah écoutez, c'est parti, on va sortir avec Michael, il va appeler le petit taxi dans Downtown Capco. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur le taxi que j'ai fait hier si jamais vous l'avez pas vu. On a mis le taxi dans la soute d'un avion et franchement c'était hilarant. Je mettrai le lien dans la description si jamais vous avez envie d'aller la voir. Ok, donc le taxi va venir. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'il est là, normalement les égouts sont juste en dessous. On va le mettre en différentes parties des égouts. Parce que dans les égouts, il y a les égouts où c'est vraiment dégueulasse, où il y a l'eau. Il y a les égouts qui sont entre les égouts et le tramway. Mais il y a une sorte aussi d'égout avec de la terre où il y a plein de travaux à l'intérieur. On va essayer de mettre le taxi dans ces trois destinations-là pour voir s'il est capable d'en sortir. Oh, le taxi, s'il te plaît, je voudrais remonter. Ok, donc... on va lui demander d'aller jusqu'à la maison de Michael. Donc il va aller jusqu'à la maison de Michael. Nous on va prendre le taxi. Non c'est pas celui-là, je suis dans celui-là. On va prendre le taxi, les égouts sont juste ici. Hop là, nickel, nickel. Faut pas que je perde le filet des égouts parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué par la suite. L'année, les égouts sont un peu bizarres quand on traverse la map et qu'on ne suit pas réellement les égouts. La texture est assez particulière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser en plein milieu des égouts. On va voir s'il est capable de nous ramener à notre destination parce que nous on s'est perdu dans les égouts et on a vraiment besoin d'en sortir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans cette direction là. On va voir s'il peut nous sortir de cette galère. Ok, donc là c'est parti. Elle taxi quoi. On va même lui demander d'accélérer pour qu'il aille un petit peu plus vite. Ok, donc là il a foncé dans le mur. Ça commence. Ça commence. Par contre, si tu commences à foncer dans le mur alors que je te... Ok, donc t'as envie d'aller par là, il n'y a pas de souci, je te mets dans la bonne direction. Vas-y, taxi! Mais pourquoi tu veux aller là? Pourquoi tu veux aller là? Est-ce que si... Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un point sur Michael. Parce que ça se trouve, en fait, il se repère par rapport au fait qu'on soit... Il a peut-être envie de prendre la route qui est juste au-dessus. Il n'est pas habitué à aller dans les égouts. Du coup, ça fait que c'est un peu compliqué pour lui. Donc peut-être qu'il a juste envie de trouver la route qui est juste au-dessus. On va laisser faire 2 minutes. Si jamais il faut, j'interviendrai juste après. Pour l'instant, il fait un peu de la merde. Hein. On va pas se le cacher entre nous. Il fait un petit peu de la merde. Ah, je te mets dans la bonne direction. Voilà, tu peux y aller. Vas-y, il y a le taxi, quoi. Mais non, mais fonce pas dans le mur. Tu commences à être relou, déjà. Tu commences à être relou. Attendez, on va le déplacer un petit peu. On va le mettre. Ah, voilà, j'ai perdu le filet des égouts. Génial, excellent. Ok, donc, il faut ressortir. Il faut re-rentrer dans les égouts parce que c'est un peu compliqué sinon. Hop là. On est dans les égouts. Nickel, on va le laisser ici. On va le laisser ici. Hop. Vas-y, sors-nous de cette galère, s'il te plaît. S'il te plaît. What? What? Il est parti. Mais non. Il nous a abandonné. Il nous a abandonné, Michael. Il est en train de se curer le nez, mais il nous a abandonné. Ok, bon, premier taxi qui nous a abandonné. On va voir s'il y en a d'autres qui sont capables de nous abandonner. A mon avis, je pense que très peu de taxis vont réussir à nous sortir de cette galère des égouts. Mais c'est pas grave, on va réussir à sortir de ces égouts avec un taxi, j'en suis sûr. Il y en a au moins un qui va réussir à nous sortir de cette galère. Ok, donc là, il y a un nouveau taxi qui arrive. On va aller compter les taxis qu'on a utilisés et les taxis qui n'ont pas réussi à nous ramener à la sortie des égouts et qui n'ont pas réussi à nous ramener à notre destination. On va les compter, hein. Donc pour l'instant on est à 1. Ok, il est où notre taxi? Allez, le taxi là, viens vite. Ok, c'est bon, il est là. Hop. Hop.
C'est parti. Tu vas au repère, s'il te plaît. Vas-y, accélère ma poule. Hop. On reprend direction les égouts. Ok, donc direction les égouts. Théoriquement, il est encore là. Tout à l'heure, on l'a laissé juste ici. On va le laisser encore une nouvelle fois là. On va voir s'il peut nous amener à notre destination. On va même lui demander d'accélérer. Ok. Donc, qu'est-ce qui nous fait le taxi? Il refonce encore une nouvelle fois dans le mur. Non, mais arrêtez de foncer dans le mur! Vas-y, je te mets sur la bonne voie. Mais non, mais c'est un peu relou! Mais c'est. Mais pourquoi il va tout le temps foncer dans le mur? Ok, donc, on va le changer de place. On va le changer de place. Si je le mets là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va encore une nouvelle fois foncer dans le mur? Ouais, il refonce dans le mur. Faudrait trouver un endroit où il fonce pas dans le mur. Faudrait trouver vraiment un endroit où il fonce pas dans le mur. Est-ce qu'il va. Ah! Ah ah! Ah! Là, on y est presque. Non, mais arrête de foncer dans le mur! Mais tu sais pas aller jusqu'à notre destination sans faire d'histoire? Tu peux pas aller jusqu'à là où on veut que tu ailles sans poser de problème? Ah! Ah ah ah! Ah, peut-être que là, il a trouvé le bon filet pour pouvoir aller jusqu'à notre destination. Mais non! Mais non, mais il refonce dans le mur et il roule pas en fait! Il roule pas vraiment, même si je suis sûr qu'il y aurait un endroit où il n'y aurait pas de mur, il serait capable de foncer dans quelque chose qui ferait que ça ne fonctionne pas. Là, il avance plus. Il avance plus. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il nous fait, le taxi? Ok, donc là, il est perdu parce qu'il n'y a plus de route. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un autre endroit. Si jamais je te mets ici. Voilà, quand même, tu peux nous sortir de cette galère, s'il te plaît. Non. Non, il bouge pas. Il bouge pas, mais c'est sérieux. On va le mettre à un autre endroit. On va le mettre encore à un autre endroit. Ici. Ici, il y a moyen quand même. Il y a moyen, je le sens, je le sens. Non, il bouge pas. Il y a même de la lumière ici. Il y a de la lumière. Alléluia. Et on arrive juste au-dessus du métro. Mais what? Ok, donc là, le taxi a encore une nouvelle fois pas bougé. Si je le mets là. Ah. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, mais non, mais refonce pas dans le mur! Je suis sûr que même si on va le mettre dans le métro, il sera capable de foncer dans le mur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre directement dans la partie métro, parce que ici, il a pas l'air de vouloir faire quoi que ce soit. Ici, je pense pas qu'il y aura moyen. Ok, donc là, on est dans la partie métro. On va voir ce qu'il va faire quand il sera dans la partie métro. Est-ce qu'il va bouger? Non! Mais pourquoi? Mais pourquoi il bouge pas? Mais s'il te plaît, mais fais quelque chose, sors-nous de cette galère! On va le mettre dans la partie sable. Est-ce que là, il va nous sortir de cette galère? Il a mis son clignotant, il a envie de tourner peut-être. Ah, attention, ici, ah, il avait mis son clignotant. Il avait mis son clignotant, mais là, il l'a retiré. Mais qu'est-ce que tu nous fais, le taxi? Là, je te sens bien. Mais sors-nous de cette galère. Attends, et si jamais on le met vraiment à cet endroit-là, attendez. Faut que je me repère, c'est juste ici, juste en dessous normalement. Hop là, ici. Si on le met ici. Ah bah voilà, là il arrive à retrouver la sortie. Si jamais on le met ici. Si on le met ici. Mais non, il arrive pas! Mais pourquoi il roule pas? Je comprends pas! Je comprends pas. Et ici. Non, il roule toujours pas. D'accord. Ici, ok, donc il arrive à trouver la sortie. Si je le mets ici, donc là théoriquement il est sous la banque. Non, il arrive toujours pas. Il arrive toujours pas. Attendez, on va le mettre dans un endroit insolite pour voir s'il est capable de nous sortir de cette merde. Ici, il n'est pas capable de nous sortir de la merde. Mais je comprends pas pourquoi il fait ça, le taxi. Je suis assez choqué de voir que le taxi est pas capable de nous sortir d'une bah, des égouts. Je pensais qu'il allait pouvoir rouler, bon, qu'il allait faire de la merde, certes, mais qu'il allait réussir à nous sortir de cette destination. Mais au final, je crois qu'il a pas réussi. Et en plus, j'ai perdu le filet des égouts. Attendez, on va reprendre les égouts plus loin là-bas. On va essayer de le remettre à un dernier endroit. Ok, donc on va remettre le taxi une dernière fois à un endroit. On va le remettre exactement ici. On va voir s'il y a moyen qu'il roule. Et malheureusement, non. Ah mais merde, je pensais vraiment que le taxi allait réussir à nous sortir de cette galère, mais au final non. Si jamais on le met ici dans une zone qui est pas du tout texturée, qu'est-ce que ça va donner? Il arrive toujours pas à nous sortir de situation. Bah écoutez les amis, on arrive enfin à la fin de cette vidéo de test. Finalement,
Vous pouvez mettre le taxi dans les égouts, malheureusement il n'est pas capable de nous sortir de cette galère. Je suis un petit peu choqué, je pensais vraiment qu'il allait réussir à nous sortir des égouts, même à différents endroits, bon qu'il allait foutre un petit peu son bordel et tout, mais qu'il allait quand même réussir à nous sortir de celui-ci. Malheureusement ce n'est pas possible, donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle, et nous, on se dit à la prochaine, allez bye tout le monde.